Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zébogéen. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Star Wars Fallen Order. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ceci. Attendez. Ok, un nouveau gameplay. Oh, la cam, attendez. J'ai une petite idée pour la cam, tout de suite. Qu'est-ce que c'est, BD? On va modifier ça tout de suite, j'ai l'impression qu'elle lag un petit peu. Tac, on enlève un petit peu d'exposition et normalement c'est un petit peu mieux. On remet un peu de luminosité, un petit peu on a dit, un petit peu, on va pas trop en mettre non plus. Voilà, je sais pas ce qu'on a gagné mais vas-y on s'en fout. On peut pas monter plus haut que ça? Sûrement que si hein. Ok, on voit qu'on peut aller là, mais il faut passer par derrière. Ah, j'ai rien dit. Il n'y a pas l'air qu'on puisse passer par derrière, mais ce n'est pas si grave. En tout cas, on va avancer de toute façon. Vous pensez qu'on peut aller loin ici ou pas? C'est un grand oui, il y a même quelques araignées à tuer ici. C'est plutôt pas mal. Hop, directement, on laisse là. Au pire, on s'en fout des araignées, hein. J'ai envie de dire, on va encore faire du combat pour rien. Ok, c'est bon, on a réussi à passer derrière. Ça va nous permettre d'aller... Oh, on va pouvoir retrouver Tarful, tout simplement. Voilà, super. Salut Marie. Alors, on enlève la cam. Je te présente le chef Tarful. Je suis en mission pour maître Eno Cordova. Il recherchait un artefact Zepho. Si on le trouve, on pourrait sauver les Jedi. Où Cordova a trouvé la sagesse, tu trouveras des réponses. En haut de l'arbre des origines. Il est immense. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, peut-être que tu trouveras un moyen depuis ses racines. Mais la plupart sont immergés. Il te faut un respirateur. Oh? Le truc qu'on met dans la bouche? Merci. Qu'allez-vous faire maintenant? La seule chose qu'on puisse faire, nous battre encore. Bonne chance. J'espère qu'on se reverra. Bonne chance. Et on a un respirateur. On peut aller sous l'eau, c'est-à-dire... Ah! On a envie d'aller là avec, avec ça, je pense. Vous en pensez quoi? En vrai, c'est vrai qu'on peut plonger maintenant, donc bon. Wow, d'accord, ok, c'est parti. Eh ben, on va essayer d'accélérer sous l'eau, hein, ce serait intelligent. Regardez, un coffre, alors qu'on peut ouvrir ou pas? Un petit peu compliqué d'ouvrir les coffres sous l'eau, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est, Bédé? Un matériau du duralium. Alors, ok, c'est bien, hein, on peut aller un peu partout, j'ai l'impression. Bah, pas de trop en fait. Où est l'arbre des sur... Attendez, c'est là les araignées, non? Qu'en effet, on n'avait pas été ici, hein, et je sais pas s'il y a quelque chose à faire ici. Regardez. Ah, même là, en fait. Oh merde. Vas-y, l'araignée, tu m'as saoulé, hein. Il y a des choses à faire ici, quand même, hein, à vrai dire. On peut réutiliser ceci. Vas-y, explose. Comme ça, tu mets des dégâts. 1, 2. Là, il va mettre ses petits dégâts au sol. Derrière, tac. On peut le slow. 1, 2, 3. Super. Regarde, on peut ressentir les coches. Je sais pas exactement ce que ça fait. On peut remonter là-haut. Là-haut, on y a déjà été, donc non. Les araignées reviennent. C'est lui. Sauvetage, d'accord. Bon, petite ellipse hein, pour tuer les araignées parce que, bah... Un peu la flemme, hein, vous avez capté maintenant, je pense. Hein. Et re tout le monde. Donc on a tué les araignées, voilà, tranquillement.
On peut ressentir l'écho d'une chose nouvelle. Ah, on peut se soigner aussi. Je sens la force qui entoure ce lieu. L'arbre des origines, du coup. Le voici, le voilà, je pense. On pourrait aller de l'autre côté, mais on ne sait pas exactement par où passer. Hein. C'est une question qu'on se pose. Sans nul doute, bah, via les sous-sols, j'ai envie de dire. Hein. Bah voilà, tout simplement. Allez, on passe. On a envie d'aller à gauche et à droite. Il y a l'air de rien avoir, donc on va pas y aller. Et bah, on va remonter hein, vers la surface, tout simplement. Regardez, bah voilà, on arrive à trouver quelque chose d'assez sympathique en effet. On va pouvoir ressauter avec ces plantes qui sont quand même assez sympathiques. On peut remettre la cam éventuellement. En tout cas, j'espère que vous allez bien en fait. Hein. Moi, un petit peu fatigué en effet. Hop. Ok, on va pas prendre de risque. Hop. Non. Non. Un autre steam. Et c'est parti. Oh, ça fait plaisir. Un steam de plus après en avoir eu un lors du avant-dernier épisode. En effet, c'est le 4e steam. Est-ce que ça recharge? Ça recharge les deux. Let's go. Alors, ok, on peut aller là. Ok, on peut aller là. Ça a l'air d'être difficile de pouvoir y aller, hein, justement. Donc, examinons un peu. Est-ce qu'il y aurait pas une terre ici, une plante? Non. Ici, on peut pas y aller. Alors, ici, on peut grimper totalement. Regardez. Tac. D'accord. Le jeu est un peu débile, hein, de temps en temps, vous le savez. Il a préféré utiliser la force au lieu de s'agripper aux lianes. Ok. Alors, hein, notre but premier, hein, c'est vraiment d'attaquer eux. 1, 2, 3. 1. On attaque. 1, 2, 3. Lac des. Il est pas mort? Oui, il est en train de se faire entuber le Stormtrooper. Attendez. Ah oui, d'accord. Ok, il est mort, ça y est. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas grave, j'ai plein de cimes de soins maintenant. Enchanté. Alors ici on peut pas grimper, mais regardez, le lac des origines peut nous fournir de nouvelles choses. C'est X pour voilà, merci Cal. Alors, ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il y avait rien de l'autre côté. Ça c'est des choses qu'il faut faire attention, parce que c'est peut-être des endroits. On peut grimper, on peut grimper. Faut pas se tromper, sur l'endroit où nous devons aller, on peut utiliser le saut en effet, qui nous met bien, hein. il est totalement véridique. Ok, donc là pareil, faut pas se rater, mais on est tranquille hein, normalement. Je sais pas exactement où nous devons aller. Ces choses terrifiantes. Oui, c'est terrifiant. Donc, il va un peu fort. On sait pas ce qu'il a dit, on n'arrive pas à traduire le BDR. C'est dommage. On n'est pas très bon. Hein. Quelqu'un si ça arrive à comprendre ce qu'il dit. Hein. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Est-ce que quelqu'un arrivera à traduire le droïde? Oh non. Ça fait peur ça quand même. Hein. Je sais pas pour vous, hein, mais moi. On peut utiliser le sabre. On peut pas utiliser. Et lui, on va juste y aller. Que quelqu'un prenne le relais. Lâchez rien. On y est presque. Ok, 1. Hop, derrière. On se soigne. Mais. Ok, ceux de derrière en premier. Lui il va tirer, ça va taper ceux de derrière. Pendant qu'on le 1, 2, 3. Derrière lui, on va arriver avant qu'il tire. Ça fait plaisir. Derrière, on essaie de s'en. 1. Je suis plus fort que toi, il allait dire. Oui. On va plonger au cas où. J'ai pas dit qu'on allait utiliser le sabre. Hein. Quel caissier, c'est un peu bête. Regardez. C'est le Stormtrooper qu'on a tué. On va remonter du coup et aller chercher ce petit coffre qui nous tordait les mains en effet. On aime bien quand même avoir un maximum de coffres. Et on est de l'autre côté cette fois-ci, ok. Il y a une grotte avant de pouvoir grimper. Une poignée de sabre laser, courage et sagesse. J'aime bien le courage, j'aime bien la sagesse. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Une bestiole qui n'aura pas le temps d'exploser. Et un endroit pour ressentir l'écho. Ce n'est pas un raccourci, moi je voulais casser les lianes, mais on ne peut pas. J'ai repéré la position du général des Wookiees. Général des Wookiees. Approchez. Les pisteurs impériaux, bien sûr. Ok, du coup, notre but c'est d'aller à gauche, là. Il me semble, en effet.
Juste regardez s'il n'y a rien ici. Non, allez, c'est parti. Ah, il y avait une descente ici. Ah, en effet. Regardez où nous sommes. Attendez, il y a quoi là-haut? Ouais, j'ai cru voir. Ok. Donc, on peut pas passer là ni là. Bah, c'est dire qu'on peut passer que là, hein, par au-dessous, tout simplement. On regarde bien s'il y avait rien. Bizarre qu'il n'y ait pas des monstres. Hein. Regardez là, il y a un coffre. Bizarre qu'il n'y ait pas des monstres sous l'eau. C'est tout ce que je dis. Mais on peut pas utiliser le sable, donc on pourra juste partir, s'enfuir. Et on aura sans nul doute la capacité d'utiliser notre sabre laser plus tard. Un émetteur. Là, on peut grimper, regardez. Je sais pas si on a traversé une zone. En tout cas, on peut grimper, donc on y va. Hein. Si, on pouvait pas y aller avant. Encore des Stormtroopers, je suppose. Hein. Faut faire attention à ça. Beaucoup de vent. Vous entendez, on doit être bien en hauteur. Tu crois que l'Empire s'en serait pris à Kashyyyk comme ça, sans notre intervention? Les Jedi sont censés incarner l'espoir, mais j'ai attiré l'Inquisition ici. Mary et Tarful comptent sur moi. Ok. Méditation. Encore mis en danger. Ça fait plaisir, une petite méditation, bien sûr. On récupère quelque chose de nouveau. Toujours en découverte, bien sûr, hein, de cet endroit qui était. Oh, l'arbre des compétences, là, 3 points. En survie, là, on sait vraiment bien. Ouais, bah, mais non. Ça, c'est quoi? Un point, mais on peut pas l'acheter parce qu'il faut acheter ça. Un stock retardé. Ouais. C'est X plus X. Le sabre dans la zone autour de Cal. Ok, c'est pas mal ça. Ok, faut retenir hein, quoi. Attendez, juste là, c'était pas mal aussi peut-être d'utiliser un point de compétence ici. Propulser. Ah, maintenez la poussée. Donc on appuie longtemps. Mais bon, si ça marche comme... Attendez, et puis ça? C'était ça, en chargeant le ralentissement, Cal peut ralentir. Et comment on l'affiche la capacité? Ah oui, d'accord, ok. En fait, j'avais mal compris, hein, je pense, la dernière fois. Voilà, on a utilisé les points de compétence. On peut éventuellement reprendre le sabre à double main, XX. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, faut pas se rater, je crois. Et bah regardez, c'est parti. Lui on va se... Non. 1, 2. Ok. Allez, on tente un petit coup là, on va l'attaquer. Je crois qu'on l'a on s'est jamais fait lui. Hein. Oh non, oh. On peut pas le scanner? Ça veut dire qu'on l'a déjà tué, d'accord. Bah, pourquoi pas, j'ai l'impression que non, mais vas-y. Hein. Je dis pourquoi pas. Bon, on est vraiment en hauteur dans... Je crois qu'on contrôle plus. Deuxième sœur? Grievous? Ah non. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit morveux de Braca qui joue au Jedi? J'ai dit au grand inquisiteur que tu n'étais pas assez stupide pour venir pointer ton nez ici. Après que nous ayons pulvérisé cette résistance de pacotille. J'aime tellement avoir tort. What? Ok. Oh putain, sa mère. Ok, Cal, c'est pas le moment de faire nimp, hein, s'il te plaît. Bon, on va atterrir dans l'eau, on va pouvoir plonger, hein, donc normalement. Ok, le jump est bon. Faut pas se tromper sur les boutons du slow. Ok, c'est bon en fait. Accroche-toi. Allez, c'est parti, on doit réussir à s'enfuir le plus rapidement possible maintenant.
Je suppose qu'il faut aller à gauche. Bah je suppose que non du coup. Je suppose qu'il faut monter maintenant. Mais si, il faut aller à gauche là, regardez, regardez, regardez. On peut lâcher, on peut déjà lâcher. Voilà, allez. Wouh! Let's fucking c'est trop bien. Ok, j'ai essayé d'utiliser la force, je l'admets. J'ai peut-être un peu abusé. Oh, c'est trop bien sa mère, je vous jure. Attendez, est-ce qu'on est pas revenu au début? Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Le saut est exceptionnel là-dessus. C'est trop bien. Oh, heureusement que j'ai enlevé la cam, hein. Putain, j'étais en train de regarder là. Oh non, je vois rien. C'est magnifique, par contre, faut en parler. Ok, je pense qu'on arrive sur la fin, tranquillement. Putain, j'ai eu tellement peur, sa mère. Le dragon qui nous aide. Let's go. Eh oui, là c'est le combat en 1v1 dans l'eau. Allez. La 9e doit appeler. On peut partir là-bas, vous l'avez bel et bien vu. Je regardais s'il n'y avait pas autre chose. En tout cas, il y a un coffre là-bas, donc on va en profiter pour aller là-bas. Oh non, c'était incroyable ce qui vient de se passer. Hein. Non, mais faut en parler. Hein. Oh. C'est quoi, c'est X pour plonger, c'est ça? Voilà, comme ça, derrière, on ouvre le coffre, pardon. Oh non, mais c'était incroyable. Mais non, on met la cam, parce qu'après, il y aura un combat et tout. Tout ça, vous avez capté. Du bronzium, let's go, let's go. Est-ce qu'il... Putain, on peut pas remonter, mais c'est pas grave, on se fait plaisir. Calme. Ok, hein, on aime bien les bugs. Hein. Méditation. Méditation, et on va peut-être sortir de l'eau, regardez. Regardez, c'est une sortie d'eau, ça. C'est totalement une sortie d'eau. Ok, il n'y a rien à gauche. En dessous, on voit hein, quand c'est blanc. Allez, calme. Faut se dépêcher un petit peu de temps en temps. Escalader l'arbre des origines, nous y sommes littéralement. On va faire ça, on est à quoi, 19 minutes? Oh, bon, on va s'arrêter, nos petits cols. Hein. On va littéralement s'arrêter. Venez, on fait 2-3 trucs là. Non, non, non. On va juste regarder. Oh non, mais il n'y a que du combat dans l'arbre des origines, c'est abusé. Vas-y, petit. Tiens. Non. Il fait caca. Hop là. Ça, c'est une zone de glissade. C'est donc ça l'arbre des origines, et bah voilà ce que nous allons avoir au prochain épisode. On va essayer de grimper là-haut parce qu'on voit qu'il y a de la lumière, voilà. Bah voilà, bah tout simplement on va passer par là. Il y aura même un coffre à aller chercher. Yop là, il y a de la lumière mais ce n'était que des champignons. Et là on voit des lampes torches, certainement des Wookiees. Pendant longtemps les Wookiees ont pèleriné à son sommet. Voilà. L'arbre les guidait. Et là donc il y avait un coffre ici hein. Où c'est qu'on est en train de monter pour cette fin d'épisode? Mais non. Allez, calme. Let's go. What? Attendez, c'est un Stormtrooper? C'était un trophée, c'est pas possible. Cette créature a traîné ce Stormtrooper ici. Cet endroit est effrayant, BD. Bah, un peu mon neveu. Hein. Il est vraiment plus qu'effrayant. On va mourir, là. Oh, putain, ça fait peur. Juste, il est tout le coffre? Mais là, c'est mort pour l'ouvrir avec tout ça, non? Ok, on va s'arrêter, on va s'arrêter. On l'a dit, de toute façon, prochain épisode, il va être gangs, hein, quand même. Hein, avec un combat face à un nouveau inquisiteur, peut-être. Voilà, quelqu'un de méchant, en tout cas. Un combattant du sabre laser. Range ton sabre, Cal. Range ton sabre. C'était pas le bon bouton. Attendez, mais avant, il le rangeait, son sabre. Bon, allez, bref, j'arrête. Bon, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Ça va être incroyable. Va y avoir du combat pour escalader cet arbre des origines, qui est assez haut en effet. Hein, mais ça devrait le faire normalement. Bah, écoute, on va méditer, éviter d'avoir ce brouhaha d'araignée, bien sûr. Ce kikiki d'araignée, si je puis me permettre. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit, hein, les réseaux sociaux, tout ça, comme d'habitude. Je vous fais mille bisous. On arrête maintenant.
Comme d'habitude, par contre, une seule dernière chose à vous dire, c'est pour clôturer l'épisode 7 des Homologiens. À la prochaine. Ciao, ciao!